Wasi pia si asi, kula si asi basi. Wasi pia si asi, ata Mungu anawasi. Ale, le joni ya tu. Kukula si asi basi, aisadamo kyo. Diwasi raha. Président Walker, asini pia famille ya tu. Selemani El Najdi, numéro 10, meneur de jeu à Aïssada. Siradji Anjilani, numéro 13 de l'Aïssada. Je fais tous les postes. Vous êtes sûr? Wasna Wasi Sport. Bon, alors qui râle le plus parmi les joueurs? Joueur qui râle le plus, c'est Jacob. Ah bon? Oui, c'est le gardien. Moi, j'aurais dit Nahouda. Nahouda, il râle beaucoup, beaucoup. Lui, à chaque entraînement, à chaque match, à chaque fois, il faut qu'il râle. N'importe. Mais lui, il râle, mais c'est fermé. Mais Jacob, lui, il explose, quoi. Mais Jacob, lui, c'est pour faire rire le monde. Ah. Les gens, non? Bon, il y a une différence. Mais c'est vrai, c'est vrai. T'as raison. Mais qui triche plus à l'entraînement? Bon, alors, on avait un joueur là, mais on le voit plus, malheureusement. Moi, je dirais Ouzad. Ouzad Lionel. Lionel Ouzad, ouais. Mais malheureusement, ça fait un bon moment, il est blessé, donc il vient plus aux entraînements. Mais oui, lui, il triche trop. Lui, s'il était sérieux, je pense que ça serait un des meilleurs joueurs de Mayotte, c'est clair. Il n'y a plus mal que ça. Ouais, c'est pour ça qu'il se blesse autant, parce que justement, il triche beaucoup. Mais malheureusement, c'est un super, super joueur. Il faut juste qu'il se rende compte que c'est un très, très bon joueur. Qui est le plus drôle de l'équipe? Je pense que c'est moi. Il n'y a pas photo. Je pense que c'est moi et... C'est toi qui mets l'ambiance, c'est clair et net. Ça fait partie du système, quoi. Là où je suis, je mets tout le temps l'ambiance, ouais. Du coup, ça fait partie de moi. C'est partout où il est, n'importe l'endroit, tu le mets quelque part. Il n'y a personne qui peut m'enlever ça, bon, du coup. C'est parti direct, lui, c'est l'ambiance. Du coup, voilà. Après, il y a une autre, là, je mettrais bien Dom, il est pas mal aussi. Mais malheureusement, il est blessé, lui. Lui, c'est qu'il revienne à la pharmacie, lui, qui met l'ambiance. Qui est plus technique? Bon, alors les plus techniques dans l'équipe, on en a pas mal. Je dirais déjà, il y a Dom. Je te mettrai toi. Et je mettrai aussi Zarnadji, Taïwo. Oui, Taïwo surtout, techniquement. Ouais. Techniquement, lui, tu le mets la balle au pied, là. Tu peux aller t'asseoir, tu le regardes jouer, il fait ce qu'il veut. Taïwo, par rapport à nous, lui, il a quelque chose de plus par rapport à nous. Même les terrains sont pas trop top, mais lui, toujours, techniquement. Ah, il est au-dessus. Après, il y a aussi un autre, on a parlé juste avant, là, Lionel Ouzad, mais malheureusement, lui, il n'est pas sérieux, mais aussi, lui, techniquement, il est très, très bon. Qui est le plus diplômé parmi les joueurs? Alors là, diplômé, je pense que c'est toi, non? Peut-être, je sais pas. Je sais pas trop par rapport au diplôme, mais je pense que c'est toi. Ouais, peut-être bien. Ouais, mais après, on a de la chance dans l'équipe. On a des gens qui sont bien sortis, qui ont bien réussi dans leur vie. Et donc là, même si c'est sans diplôme ou avec des diplômes intermédiaires, mais ils ont réussi à avoir des entreprises aujourd'hui, en plus qui aident l'équipe derrière. Donc là-dessus, on en a pas mal à Sada. C'est une marque de fabrique, les jeunes qui vont faire des études et qui reviennent et qui aident l'équipe. Alors moi, je suis allé jusqu'à un bac plus 6. Dans le génie civil. Donc je suis ingénieur bâtiment. Moi malheureusement je suis arrêté à BP bâtiment. J'ai fait 2 ans BP à Dumonier. Après j'ai arrêté là, j'ai basculé sur les commerces, j'ai tout fait en quelque sorte. Qui est le chouchou du coach? Alors, est-ce que là, les coachs ils ont des chouchous déjà là? Parce que là c'est une très bonne question. Il faut vraiment chercher les réponses pour avoir. Mais il y en a un là, le coach du mal, il aime trop. Je pense que c'est Abdel. Abdel, c'est son petit, lui, il aime trop. Il a beau faire des conneries. Il est toujours derrière lui, il le pousse. Après, c'est normal, c'est un petit jeune du club. C'est sa première saison en R1. Donc, il aime beaucoup. Mais je dirais Abdel. Pour en trouver d'autres, c'est difficile. Je pense que c'est Dom, mais il n'est pas là. Il n'est pas sur le terrain. Ouais, Dom aussi. Dom, c'est un petit chouchou. Lui. Chouchou chambreur. Ben, il est tout le temps à côté de lui quand il est là. Après, il se chambre un peu, voilà. Du coup, je pense que avec ça, oui. Avec ça, ça se voit que c'est un chouchou aussi. Tout le temps, il est sur ses pattes à chaque fois. Il lui sort des conneries, du coup. Ouais, ça s'entend bien. Ouais, ils s'entendent bien. Ouais. Qui s'habille le mieux parmi les joueurs? Je pense que c'est Nahouda. Ouais.
Moi aussi, je radie. Ouais, je pense que c'est Laouda. Lui, il est toujours en polo. Oui. Partout où tu vas, il est en polo. Je pense au final, Laouda sera le meilleur de tous. Laouda. Pantacourt. Lui, Pantacourt polo. Ouais, Pantacourt. Partout où tu vas, Pantacourt polo. Même si tu lui dis, il y a une réception avec le président de la République, il vient Pantacourt polo. Pantacourt. Toujours. Qui est le star de l'équipe? Bon, je pense la star de l'équipe, c'est l'équipe elle-même. Il n'y a pas de star vraiment qui est au-dessus de tout le monde. Après, si on veut sortir vraiment un nom, moi je dirais Angie, enfin c'est toi, parce que toi, tu as fait la sélection, tu as joué des finales, tu as remporté des titres, donc clairement, tu es le joueur qui est au-dessus de tout le monde. Donc s'il faut en sortir un, je dirais toi, mais dans l'ensemble, je pense que c'est l'équipe. Oui, c'est l'équipe, parce que l'AS a toujours été l'équipe. Depuis que je suis à l'Aïssada, il n'y a pas une star. Le star, c'est l'Aïssada. Ce nom-là a une histoire derrière, tu vois. Donc, les gens, ils attendent juste l'Aïssada. Ils disent, ah, ça, c'est la grande équipe. Il faut qu'on la batte. Voilà. Mais ils ne se disent pas, ah, oui, il y a un joueur tel, il y a un attaquant, il y a un défenseur qu'on redoute. Non, c'est vraiment c'est le nom, l'AS. L'Aïssada qui est redouté. Donc, c'est vraiment la star, c'est l'équipe. Alors, qui n'est pas vacciné parmi les joueurs? Abdel. Ouais, Abdel, mais lui, il a fait une dose, lui, non? Il a fait une dose, mais c'est rien, parce qu'il ne veut pas faire le deuxième. Du coup, pour moi, lui... Même toi aussi, tu n'es pas vacciné. Mais Abdel, franchement, lui... Il fait le premier dose, après, c'est bon. Non, il a dit qu'il a eu des symptômes, c'est pour ça. Il a peur de la seconde dose. Du coup, il n'a pas réussi à dormir la première nuit. Quand il a fait sa première dose, il n'a pas réussi à dormir. Il a dit non, c'est bon. Ah, du coup, là, il a peur. Il a peur. Pas moi je c'est suis bon. Pas. Enfin moi c'est bon. Moi, ouais. Moi je le suis pas et c'est même pas que j'ai pas peur. Hein. Moi je dis les gens il faut se faire vacciner. Mais moi je le ferai un jour mais pas pour le moment. Ouais. Chaque week-end je fais le test antigénique sans problème et je le referai tous les week-ends. Qui a plus d'argent parmi les joueurs? Je pense qu'on peut pas sortir une personne. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la chance à Sada, on a des jeunes qui ont fait des études ou qui ont réussi à s'en sortir, qui ont réussi à avoir des entreprises aujourd'hui qui sont entrepreneurs, auto-entrepreneurs. Et on en a pas mal dans l'équipe, on en a 3 ou 4 qui sont auto-entrepreneurs et déjà eux, dans leur vie, ils s'en sortent très bien et ils permettent aussi de mettre de l'argent dans le club. Donc nous, on incite vraiment les joueurs de Sada à aller faire leurs études. Même si c'est problématique pour notre sport, parce que malheureusement, quand on part en métropole ou à La Réunion, on ne fait pas forcément de sport. Mais c'est important pour notre vie, pour l'avenir, d'avoir une meilleure situation. Donc à la SADA, on a vraiment cette chance-là. À la S, on a beaucoup de joueurs qui sont auto-entrepreneurs et qui aident beaucoup l'équipe. Même si, comme je l'ai dit, il y a des joueurs dans l'équipe qui ont de l'argent, qui sont auto-entrepreneurs, mais tu les vois rouler, ils ont juste des Dacia, des petites voitures vraiment normales. Hein. Et eux, ils veulent passer pour des gens normaux, alors que derrière, ça bosse dur, vraiment. Quel est le prochain joueur du club qui partira à la retraite? En tout cas, c'est pas moi. Je pense que ça sera Dom. Mais non, lui, c'est un petit gamin, il a à peine 23 ans, lui. Non. Oui, il a 23 ans, mais après tout ce qu'il fait derrière, là, il se voit bien dirigeant, évidemment, longtemps. Ben, il sera dirigeant. Mais en tout cas, ça sera pas moi, du coup, il faut vraiment venir me chercher pour... mettre dehors. Mais je vais avoir 37 ans le 6 octobre. Dans le terrain, il a 18 ans. Vraiment, lui, ça se voit pas. Pas du tout. Les 37 ans, il les fait pas du tout. Lui, c'est celui qui court le plus dans le terrain, c'est lui qui récupère le plus de ballons. Donc, non. Les 37 ans, ça se voit absolument pas du tout. Et on espère qu'il restera encore 10 ans parce qu'il y a la jeune génération qui arrive. Il faut l'encadrer et il faut la former. Donc, lui, son expérience nous apporte beaucoup. Mais qui est plus vers la fin? Qui commence à. Je pense que c'est plus les jeunes. C'est plus les jeunes qui sont vers la fin, mais pas les vieux. Je dirais plus Jacob. Parce que Jacob, avec. Mais ses lui, pieds là, avec, il veut pas. Lui, il préfère jouer en R4. Ouais, en plus, il a des problèmes de genoux. Du coup, je pense que ce sera plus lui vers la retraite que nous. On a une équipe vraiment très, très jeune. Ouais. Et on a juste quelques joueurs qui ont dans la trentaine et qui permettent justement d'encadrer exactement, les jeunes. Ouais. Mais on espère qu'il n'y a aucun des joueurs qui est à la trentaine. Je prendrais par exemple Amdoula qui est là depuis, je pense, c'est sa 12e, 13e saison d'affilée. Ouais. Et je pense lui, il restera encore longtemps dans l'équipe. Et pareil, Jamael. Ça fait parmi des vieux, entre guillemets, même s'il n'est pas très vieux. Mais on espère qu'eux, ils vont rester, parce qu'on les entend parler, et ils disent qu'ils sont vers la fin, mais non, il n'y a pas encore de fin. Il faut aller chercher les titres, il faut aller chercher une Coupe de France. Après, là, on parlera de la fin. Qui est le plus fêtard et qui danse le mieux?
Je pense que le plus fêteur, c'est il y a match entre Unzed et Capi. C'est les deux là, eux, à chaque week-end, tu faut aller dans les boîtes, tu les croises quelque part. Unzed, il est partout. Mais... il est partout. Mais dans toutes les questions, il est concerné, sauf le terrain. Si on pouvait l'avoir sur le terrain, ça serait pas mal. Parce que si tu mets un morceau là. Ils vont envoyer. N'importe quel type de musique tu les mets là, eux, ils y vont direct. C'est des ambianceurs les deux, donc c'est leur domaine. La danse, c'est leur domaine. La danse et la fête, c'est leur domaine. Et c'est important dans un club. Dans c'est un vraiment club, important. Ouais. Exactement, il faut avoir de tout. Mm. Les deux là, s'ils étaient juste assidus, s'ils étaient juste un peu concentrés dans le foot, eux, ils vont exploser. Mais ces jeunes là, ils ont un talent fou, mais ils se rendent pas compte. Ils le gâchent parce que bon, ils font voir bon, Mayotte. On est des amateurs, malheureusement, le football on le met pas devant. Je le comprends, mais juste un minimum de sérieux, d'hygiène de vie surtout, et les gars, ils vont exploser. Ils seront parmi les meilleurs à Mayotte. Vraiment, ils ont des capacités, ils se rendent même pas compte. Est-ce que tu peux faire le cri de guerre? Allez, les jeunes Yatrou. Contre ce match, ouais. Ben, on tient les mains. Allez, les jaunes. Voilà. C'est ça, notre guerre. Qui finira meilleur buteur du club? Ben là, il y a Neymar, qui s'appelle Hicham, dans son vrai prénom. Neymar qui est devant, je crois, il a 6 ou 7 réalisations. Donc, il est bien parti, c'est notre attaquant, donc on espère qu'il finira devant. Après, toi, il faut que tu mettes les buts. Moi, je te fais des passes décisives là, mais tu les mets pas. Ah, je recule, moi. Chaque match, je recule. Du coup, au final, je veux trouver gardien bientôt. Mais pour l'instant, il est bien parti parce qu'il a les passeurs pour. Ouais. Du coup, par rapport à moi, j'aime décrocher, toucher le ballon, mais lui, il est tout le temps dans la surface à la Trezeguet. Du coup, je pense qu'il finira meilleur buteur. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux imiter le coach? T'as le choix, coach du mal, Matoir. Il te fissait qui peut fisser à l'île ça. À chaque fois, c'est la même chose. Mais bon, ça fait partie aussi de l'ambiance. Sabine, c'est comme si on vient là pour jouer. Enfin, tu viens, tu fais ce que tu as envie de faire, quoi. Mais tu ne viens pas pour un objectif du groupe, tu ne viens pas pour que tu sois vraiment investi, voilà. Mais il y en a qui viennent juste là, comme s'ils sont dans leur salon, exactement. Non, c'est pas ça. Ils n'ont rien à faire à la maison, ils viennent. C'est pas une équipe de fils à Bilillah, non. Vinciamin, mais oui. Il a un mot là, mais je l'ai oublié comment il le dit. Pète les oies, je pète les oies. Ouais, j'aime bien quand il dit ça. Oh là là. Vous allez jusqu'à pète les oies là-bas et il n'y a rien. Non, le coach Matoir, il est bon, dans l'ambiance, lui, il envoie. Vraiment, du coach Matoir, c'est bon. Qui finira premier à RS cette saison? Bah là, il y a un gros match là, entre Jumeaux et FCM. Et je pense le fait que FCM soit sorti de la Coupe de France, donc eux, ils sont concentrés sur le championnat. Là. Et je crois que FCM, pour moi, ils sont favoris du fait que ils sont éliminés en Coupe de France, donc eux, ils ont un orgueil, eux, ils vont absolument gagner quelque chose cette saison et ils vont faire tout pour le tout pour remporter le championnat. Mais après, cette saison, on a vu Jumeaux, ils sont très forts. Ils ont perdu qu'un match. Bon, je dis pas l'équipe qu'ils ont avec qui ils ont perdu, sinon on va dire que je mets Sada devant, mais l'AS l'a battu quand même. Mais Jumeaux, cette saison, et FCM, c'est du haut niveau, c'est du très bon niveau et on espère que nous, justement, les équipes comme Rosador, Aïssada, Bandraboua qui suivent derrière, on puisse les titiller un peu pour rattraper leur niveau parce qu'ils poussent vraiment le niveau de Mayotte plus haut. Et toi, tu penses que ça sera qui Moi, je pense plus Jumeaux. Le fait qu'ils soient allés en finale à la Coupe de France, ça va mettre en confiance. Ouais, surtout le doublé, ils vont vraiment viser le doublé, je pense. Ouais. Parce que je les vois champions cette année. Doublé. T'as bien joué à Doublé? Non. J'aimerais y jouer ou pas? Ça dépend. Si j'arrive à tenir 5 ans encore, je me vois bien jouer là-bas. Parce que ça fait partie aussi de ma famille, du coup, je me verrai bien là-bas. On verra bien ce que ça va donner d'ici là. Il y a des appels de part pour Jumeaux. Ouais. Bon, on vous le donnera dans 5 ans, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le récupérer pour former vos attaquants, il n'y a pas de problème, on vous le donne. Qui sera relégué en R2 la saison prochaine? Très bonne question. Déjà, je pense qu'il y en a 3. Ouais, là, il y en a 3 cette saison qui vont passer. Je pense malheureusement nos voisins, je pense, et Kungu et qui d'autre? Kaweni. Ouais, c'est ça. Je pense que le 3 là, il ne faut pas échapper. Si par exemple, si ça avait gagné contre Kombané, je pense que ça aurait changé la donne.
Mais là, moralement... Ouais, alors défaite à Combani, ouais, là, elle leur a fait très très mal. Moralement, en plus, il perd ce match, il perd à Demi. Après, on est qu'à la moitié de la saison. Oui, mais les matchs, les trois points sont difficiles aussi à aller chercher. Ouais, cette saison, vraiment, il n'y a aucun match qui est facile, vraiment. T'as beau jouer contre le dernier, c'est un match très compliqué, donc... Ouais, les points, il faut aller les chercher, vraiment. Ouais. Et moi, en tout cas, moi, j'espère juste que... j'espère juste que UCS, ils vont pas descendre, parce que moi, j'aime bien jouer les derbies. Et l'année prochaine, je compte jouer un derby sur notre nouveau terrain. Synthétique. Donc, USADA, il faut remonter le niveau, il faut remonter la pente et il faut aller chercher les points. Quelle équipe rejoindra la RL la saison prochaine? Malamani, je crois qu'il est devant. Il y a Khan Kelly, je crois qu'il est devant aussi. Il y en a trois qui montent. Ouais, il y a trois qui montent. Et troisième, je sais plus c'est qui. Mais ces deux équipes-là, moi j'espère qu'ils vont remonter. Kani, ça fait longtemps qu'ils cherchent à remonter en R1, donc j'espère qu'ils vont remonter et surtout qu'on puisse aller jouer sur leur terrain. Ils ont un très bon terrain, donc ce serait pas mal quand même d'aller jouer sur ce terrain Goja. Il y a du monde là-bas. Oui, bah, allez, ça, deux fois. Le sud, ça va être costaud. Et il va y avoir un derby du sud aussi. Donc, si t'as Kani, t'as Malamani. Qui remportera la Coupe de France régionale? Ajoumon. Ma deuxième famille. Attention, on adore, on les enterre, attention. L'expérience, c'est surtout l'expérience, parce que Jumeau, ces dernières années, Zador, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés en finale. Mais bon, ça va être un très beau final, parce que ça va jouer au football. Du coup, je vois Jumeau gagner. Ouais, moi aussi, je dirais Jumeau pour l'expérience qu'ils ont. Après avoir joué avec les deux équipes, Passementi, ils ont une très bonne équipe, mais jeunes. C'est des jeunes. Ouais, exactement, des jeunes. C'est des jeunes qui ont moins d'expérience par rapport à Jumeau. Et du coup, je pense que la balance elle va plus tourner vers Jumeau, parce que des matchs comme ça, ce n'est pas des matchs qui se gagnent au talent ou sur autre chose, mais c'est des petits détails et l'expérience là-dessus, elle joue énormément. On a été éliminés par UCS, nos amis et nos voisins de SADA, un quart de finale. Que malheureusement ils se font éliminer en demi par Jumeau. Même score. Ouais. Dommage. Mais c'est dommage, cette année il y avait quelque chose à faire en Coupe de France. Mais bon. Se faire éliminer par une équipe de SADA, ça fait quoi? Très dur. Très dur. Et honnêtement, c'est très très dur d'être éliminé par nos voisins. Quand il y a un derby ici à SADA, c'est quelque chose. Hein. On le sent dans l'atmosphère du village, on le sent. Et cette semaine-là, c'était après le samedi soir, c'était très compliqué. C'était compliqué. Très dur, vraiment. Heureusement que le week-end d'après, il n'y avait pas match. Du coup, tu as pu digérer un peu. Est-ce qu'ils ont chambré? Ouais, un peu, ça fait partie. Oui, ça fait partie. C'est comme choix. Ça. Ils ont chambré un peu. Même dans le terrain, en plein match, ils nous chambraient. C'est comme ça. Mais même nous, on le fait. Quand nous, c'est nous qui gagnons, on le fait aussi. Et c'est bon. Ça fait partie, il faut l'accepter. Nous, on l'accepte bien. Tu vois, il n'y a pas de rancœur derrière. Il n'y a pas de guerre entre nous. C'est juste sur le terrain. Après, derrière, on est des amis, on est des frères et on s'entend très bien. Mais c'est dommage que là, en ce moment, on n'a pas le terrain. Parce que ça, c'est genre de match, une quart de finale de Coupe de France. À domicile, ça change l'avoir tout. Chez nous, à SADA, ça aurait été vraiment une grosse fête. Et c'est vraiment dommage que notre terrain, ils sont en construction. Et moi, je fais un petit message à nos élus. On a besoin de notre terrain. Cette saison, c'est très, très dur. C'est très compliqué de se déplacer à chaque fois, à chaque week-end, d'aller jouer à l'extérieur. Et là, on compte vraiment sur ce terrain pour l'avoir d'ici la saison prochaine, parce que c'est clair et net, on ne peut pas continuer à déplacer des jeunes, des équipes allant de moins de jeunes de 5 ans jusqu'à 30 ans, à les déplacer à chaque week-end. C'est vraiment très compliqué dans les finances du club, ça prend vraiment un coup. Donc j'appelle aux élus, on a besoin de notre terrain, donc j'espère que d'ici le début de la saison prochaine, le terrain sera opérationnel. Est-ce que tu peux chanter les chants des supporters? Ouais, je peux chanter. Tu chantes avec moi? Moi, je connais juste deux, trois mots, mais pas tout. Dès que tu commences, j'ai arrivé à te suivre un peu. Bon, alors, ça, c'est la Sadoise, elle s'appelle, et elle a été faite par Nicolas. Donc, un petit coucou à Nicolas qui nous suit à tous les matchs. C'est vraiment un supporter, un ultra, on appelle. Ouais, parce que lui, Nicolas, il suit tous les matchs. Sans lui, on serait pas là. Sans lui, on a personne. Donc, en plus de ça, il nous a fait une chanson. Et elle s'appelle la Sadoise. Donc, c'est j'y rencontre ce matin devant la grande mosquée de Sada un troupeau de gamins, de parents et de grands-parents. Où allez-vous, camarades, avec vos maillots jaunes et bleus? Nous allons supporter la SLV, région des ultras. Voici, assis, assis.
Kulati asi basi, wasi piasi asi ata mungu anawasi. Allez, les jeunes, c'est ça. Quels sont les objectifs du club? Il faut aller chercher troisième place. Pourquoi pas? Ouais, non, mais c'est faisable, hein, aller chercher la troisième place. Mmh. Aujourd'hui, comme on l'a dit, il y a deux grandes équipes qui sont devant. Je pense qu'il n'y a personne qui peut aller les chercher, ces deux-là. Mmh. Mais aller chercher la troisième place, là, il y a match entre Rosador, Bandrabwa, nous-mêmes, mmh. pour Rouhani. Il ne faut pas les enterrer. Donc, c'est faisable d'aller chercher cette troisième place et ça sera une place, une très bonne saison si on finit troisième, parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous on est promus, on est monté il y a deux saisons, la saison dernière il y avait le Corona donc il n'y a pas eu de championnat, mais on est promus et si un promu finit troisième, c'est derrière Jumeaux et FCM, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qui manque au club? Ben, c'est les détails qu'on vient de dire là, je pense que c'est surtout les anciens, enfin il n'y a que moi qui me vois ancien, mais il nous manque aussi des cadres. Parce que si on avait 2-3 joueurs dans les postes, je pense que ça va vraiment nous booster. Parce qu'il y a des matchs que tu vois vraiment des détails qui fait que, avec les jeunes, ça manque vraiment un leader. Parce que si tu as un leader devant, tu as un leader au milieu, tu as un leader en défense, ça solide ton équipe. Du coup, il nous manque ça, l'expérience. Je dirais l'expérience, on l'a, mais il y a les blessures, il y a les suspensions, ouais, parce que des joueurs comme aussi, Tom, il a commencé la saison au milieu de terrain, il tenait le milieu de terrain tout seul, mais vraiment, c'était impressionnant. Et malheureusement, il s'est blessé, une grave blessure au genou, donc qui depuis la 7e ou la 5e journée, il joue plus. Après, tu as Amdoula en défense, qui est le capitaine, qui lui, malheureusement, il a déménagé très loin et c'est compliqué pour lui qu'il soit aux entraînements tout le temps. Il y a Narbouda, depuis le match de Anteou aussi, pareil, il a eu une suspension très lourde. Il nous manque aussi un terrain, ça c'est vraiment, c'est très important ce terrain-là. Il faut que tu te déplaces tout le temps. Je vais le répéter encore et encore, mais nos élus, on en a besoin de ce terrain, c'est vraiment important. C'est une saison, aller jouer à chaque fois, chaque week-end, aller jouer à l'extérieur, c'est très compliqué. Donc nos élus, monsieur le maire ou Samoudine, faites le nécessaire pour que ce terrain-là, on l'ait en début de saison prochaine, parce que là, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'on a de plus que les autres? On a le village de Sada. C'est ça ce qu'on a de plus que les autres. On a le village de Sada, on est là et Sada. Et ce qui nous différencie des autres, c'est que nous, on est une équipe on a une équipe où beaucoup de joueurs sont issus de la formation de Sada, qui ont fait les équipes jeunes depuis débutant jusqu'en équipe senior. Et je pense qu'on est un des rares équipes en R1, je dis bien R1 parce que les équipes R2 ou R3, il y en a beaucoup, mais en R1, on fait partie des rares équipes à aligner plus de 8 ou 9 joueurs sur une équipe titulaire qui sont issus de la formation de Sada. Après, on me dit bon humour.